Nous sommes au XVIIIe siècle, siècle dit des Lumières. Le Machy est né en 1724, mort en 1807 à l'âge de 84 ans. Il connaît principalement Louis XV et les Lumières, Louis XVI et la Révolution, un peu Napoléon et l'Empire. Il ne voyagera pratiquement jamais, pas de séjour à Rome connu. Il vit au cœur de Paris, dans le quartier du Louvre. Il se forme auprès de Sermandoni, d'origine florentine, et est installé à Paris à partir de 1724. Sermandoni est à la fois artiste-peintre, architecte et décorateur. Sermandoni peint en particulier des ruines. Comme architecte, il réalise la façade de l'église Saint-Sulpice. Il peint aussi des décors de théâtre et de fêtes foraines. Le Machy est fortement influencé par Sermandoni. Membre de l'Académie royale de peinture, durant sa vie, Le Machy exercera comme Sermandoni les activités de peintre et décorateur très attaché à l'architecture. Il emploiera parfois des aides pour ses peintures, d'où une qualité qui n'est pas toujours constante. Il sera critiqué par Diderot pour la modernité de ses ruines, pas assez artistique à ses yeux, une peinture d'architecte appliquée et sans âme, dira-t-il. Cependant, Le Machy vivra pour l'essentiel de la vente de ses tableaux, jouissant pendant quelques décennies d'une grande notoriété. Dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, on construit beaucoup dans Paris, en s'inspirant de l'Antiquité. On réalise la monnaie, l'école militaire, l'église Sainte-Geneviève, les plans de la Madeleine, etc. C'est aussi le siècle du développement urbain. La peinture, dite topographique, qui représente le paysage urbain, prend son essor avec Canaletto et Guardi en Italie, sans toutefois s'imposer par rapport à d'autres genres, tels les paysages, les marines, l'animalerie, les ruines, etc. La peinture de De Machy est caractérisée par un talent de scénographe. Il met en scène des personnages dans des lieux dont il prend quelques libertés avec la topographie réelle. Il réalise, par exemple, un assemblage imaginaire du Pont Neuf et du Louvre. Il ose juxtaposer sur un même tableau ruines romaines, monuments parisiens et éléments gothiques. À la seconde partie du XVIIIe siècle, nous sommes à la transition de deux mouvements philosophiques. La prééminence de la raison prônée par les Lumières, représentée entre autres par Voltaire et Diderot, et le romantisme naissant, libérant l'imaginaire et la création, soutenu par Rousseau. Ces idées influenceront la démarche révolutionnaire et artistique de l'époque. De Machy ne fut jamais très riche, recevant en 1783 une petite pension royale qui lui sera retirée à la Révolution. Il vécut modestement à la fin de sa vie. Elle fut marquée par les douloureux décès peu de temps avant sa mort de son fils et de sa fille. L'exposition du musée Lambinet est proposée en cinq parties. La première s'appelle « Ruines, caprices architecturaux et vues de fantaisie ». Dans la continuité de ses travaux avec Sermandoni, on retrouve son intérêt pour les ruines dans un grand nombre de ses tableaux, que les ruines soient anciennes ou récentes. Le Machy ne respecte pas toujours la vérité archéologique. Il les associe et parfois les imagine purement et simplement. Il ajoute aux ruines des personnages, des animaux et des feuillages pour les animer. La deuxième partie concerne le Louvre. Louis XIV déplace la cour à Versailles en 1682 et abandonne définitivement le Louvre en 1678. Pendant 125 ans, le Louvre devient pour partie résidence pour des membres privilégiés de la famille royale,
et abrite des institutions académiques et artistiques. En 1793, il devient musée de la République. Tout un microcosme se développe autour du palais et dans la cour carrée. Devant le désordre qui y règne, alerté par le marquis de Marigny, responsable des bâtiments du roi, Louis XV s'en émeut. En 1756, il lui demande d'expulser tous les indésirables et de dégager les alentours des constructions qui l'encerclent, car le Louvre était pris dans un étau claustrophobique. De Machy, il logera et y aura son atelier. La troisième partie a pour sujet les chroniques parisiennes. Son intérêt pour les ruines l'amène à s'attacher à certains événements de la vie parisienne, tels que les incendies et les démolitions. C'est la période de la destruction de l'habitat sur les ponts pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de nouvelles conceptions de l'urbanisme. De Machy réalise des peintures pour conserver la mémoire des événements et des fêtes célébrant les temps forts de la monarchie, puis de la Révolution. Il est présent en cette période où l'on rejette la chrétienté et les fêtes associées. On institue une liturgie laïque. Dieu, c'est à présent la République, que l'on commémore en diverses occasions. On met en place le système décimal et le calendrier républicain, qui ne sont plus liés à des règles fixées par la monarchie ou le christianisme. La quatrième partie concerne les édifices religieux. Paris compte environ 300 églises et chapelles au début du siècle des Lumières, pour 660 000 habitants. Il n'en restera qu'une centaine un siècle plus tard. C'est le temps où l'on se lasse des édifices en gothique traditionnel. On cherche à les éliminer et on s'achemine vers le style néo-gothique. La Révolution, anticléricale, viendra amplifier la transformation de l'architecture religieuse de Paris. Dernière partie, le peintre urbaniste. Au XVIIIe, les périodes de frénésie constructive alternent avec les temps d'utopie et de réflexion. La place de la Concorde actuelle deviendra la place Louis XV, qui n'est alors qu'une esplanade entourée de fossés et sert de magasin pour les marbres. Deux grands égouts la traversent. Elle est achevée en 1772. On y installe une statue à la gloire de Louis XV. Elle est bordée face à la Seine par le garde-meuble royal construit à la même époque. C'est de nos jours les hôtels de Crillon et de la Marine. L'architecte en était Jacques-Ange Gabriel. En 1792, la place Louis XV est rebaptisée place de la Révolution. Elle deviendra place de la Concorde en 1795 sous le Directoire. C'est l'époque où l'on construit l'hôtel des Monnaies et que se transforme le quai d'Orsay, car le trafic routier y est intense vers Versailles. Le palais Bourbon et l'hôtel de la Cesse sont édifiés dans les années 1720. En 1787, De Machy réalise une vue de la ville de Tours. C'est une commande pour Charles-Henri d'Estaing, gouverneur de Turenne, qui souhaite en faire cadeau au contrôleur général des finances de l'époque. De nombreux tableaux de De Machy sont conservés au musée Carnavalet. Thank you.
Thank you.